fish. Ah non, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que j'étais crépillée, j'avoue. Salut, salut. Bon, ben, jour numéro 10. Hier, je me suis trompée, j'ai dit jour numéro 8, mais en fait, on était jour numéro 9. Donc, ne dites pas qu'on est toujours en pyjama. C'est sur TikTok que tu t'es trompée. Ah ouais? Sur YouTube, je sais pas. Je sais pas parce qu'il n'y avait pas le début sur YouTube. Ah. Là, en fait, la batterie a foiré sur YouTube et j'ai pas le début. Bon, il manquait, il n'y avait pas grand chose. J'ai juste, on vous a dit coucou. Tu as mis quand même, moi? Oui. Mais bien sûr, ils attendent que ça. Attends, c'est leur petit moment du quotidien du soir. Même s'il y a deux personnes qui me regardent, c'est toujours deux personnes qui me regardent, non? Bon, allez, on va lire la carte. Vous êtes prêts? Hein? C'est quoi aujourd'hui? C'est un truc nul. Ah ouais? Tu m'as dit. Mais aujourd'hui, c'est jour numéro 10. Aujourd'hui, c'est nul, elle a dit. On est en pyjama, hein, comme d'hab. Ouais, toujours le même pyjama, toujours le même peignoir. Mais quand on est à la maison, on est toujours en pyjama. En plus, moi, j'ai passé la journée à faire des choses sur mon site, donc je reste en pyjama. On s'en fout, mais je vous dis quand même. Par contre, tu vas pas exagérer parce qu'il me manque des cadeaux, là. Oui, je vais les faire ce soir. Ah bon. En espérant qu'il te fasse rajeunir. Bon, alors, vous savez déjà ce que c'est avec moi. Tyson a remarqué que j'avais des petites rides par-ci, par-là. Hein, voyez. Donc, pourquoi tu rigoles? C'est une connerie. Non. Regardez la tête qu'il a, le truc. C'est pas une connerie. Ça me dirait un vernis. Non, en vrai, c'est pas une connerie. Je te jure, c'est bien. Oui, en vrai, moi, je trouve que c'est bien, mais j'espère que ça pas. J'espère que c'est le sérum, c'est l'odeur, hein. Oui, bah oui. Attends, 10 euros, le truc. Attends, moi, je t'ai acheté un body look Gucci hier, hein. Donc j'espère que c'est le sérum et c'est l'odeur, je reconnais le bouchon. Hein. Ah, ça c'est un vernis au PI ça. Ah tu connais le vernis au PI toi? Oui. En vrai je rigole comme si c'était une connerie mais... Et tu sais que c'est une connerie. Ça y est un bouchon. Ouais. Mais c'est pas un vernis. Pourquoi tu rigoles? C'est un truc action. Parce qu'elle est taxi. Non je te jure, non, mais non. Elle croit que c'est vraiment une connerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sérum. Pourquoi il est mini comme ça? T'as eu ça des échantillons? Ah la connasse, je l'ai payé cher en plus. Encore à Romaz. T'as léché en Romazone sans moi, toi. Oui. C'est bien en plus, il est trop bien ce magasin. T'as léché en Romazone sans moi, je t'avais dit je voulais y aller. Regarde ce que j'ai acheté. Pur en plus. Hein. Ah, un tiage. C'est ironique. Je vais faire. En plus, en ce moment, j'utilise celui de chez... T'en avais ou pas? Je savais pas si t'avais. Oui, enfin, non, j'ai juste celui de chez Vichy. Elle m'a dit que c'était bien, la fille. Mais, ah ouais, ouais. Mais du coup, je vais le remplacer par celui-là. Parce que je voulais l'acheter en crème, elle m'a dit que comme ça, il était bien et était bien pour les rides. Mais je crois que j'ai entendu parler de ce truc. Ouais, acide hyaluronique, trop bien. En fait, c'est un sérum et ça se met le matin. Pourquoi tu rigoles? J'ai marqué, avant qu'il te fasse pas jeûner. Du coup, j'étais en train d'y penser. C'est un sérum en fait qui se met le matin avant la crème hydratante. En fait, ça, c'est ça? Oui, ça rebooste en fait la peau et tout ça, ça t'empêche de vieillir. Donc franchement, acide hyaluronique. Mais Aromazone, je te jure, tu vas trop aimer quand tu vas y aller. Mais oui, mais par contre, c'est un peu cher, non? Non, pas du tout. Ouais, bon, on ira. Pas du tout. Je vais aller chez Aromazone bientôt. Alors ça a coûté peut-être 7 euros, je crois. Ça va? Ouais, ça va. Ah oui, un peu moins de 10 euros ça. Ouais, parce que le Vichy, ouais, il avait 1 euro le Vichy. Ah voilà, c'est que dalle. Ouais. En plus, ça va, la bouteille, elle est pas petite. Ouais. Hein. Bon, mais je vous dis pas que le jour numéro 11, parce qu'il y a plus rien. J'ai plus de cadeaux. Demain, j'ai pas de cadeaux. Voilà. Et si je les emballe après? T'as intérêt. Hein. Déjà, j'ai la flemme. Je sais même pas où ils sont. Bien, j'aurais dû fouiller le sac, il est resté là toute la journée. Mais il est là depuis mardi, ouais. Ah, j'ai oublié de fouiller. Ouais, c'est ça. Bon, allez. À demain. Ciao. Ciao.